Attention, salut, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que c'est la première fois qu'apparemment Ladybug ne se sent pas forcément très bien. Alors donc du coup il y a Chat Noir qui m'a appelé d'urgence aujourd'hui parce que Ladybug ça fait maintenant quelques jours qu'elle se sent pas bien. Alors je sais pas qu'est-ce qu'elle a mais apparemment elle a des douleurs de ventre qui sont apparemment atroces. Donc voilà, j'en sais pas forcément plus parce que Chat Noir il m'a dit vraiment de venir en urgence. Et donc du coup on va voir du coup dans cette vidéo qu'est-ce qui lui arrive à Ladybug. Donc juste avant qu'on aille voir Ladybug, je compte sur toi pour que tu t'abonnes à la chaîne. En mettant la cloche de notification comme ça, bah si toi aussi t'aimes bien les vidéos Minecraft ou si t'aimes bien les vidéos avec des personnages de dessin animé, bah n'hésite pas à t'abonner parce que j'en fais plein sur ma chaîne. N'hésite surtout pas aussi à mettre un pouce bleu. Si on arrive à avoir 1000 pouces bleus, je vais vous préparer tout simplement une prochaine vidéo qu'on fera avec Ladybug. Et donc du coup, nous c'est parti les amis, on va aller voir si Chat Noir déjà il est chez lui et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc c'est parti, tac, on va attendre que Chat Noir ouvre. Allez les amis, Chat Noir, allez, allez, viens vite. Donc, en tout cas, j'espère que Ladybug elle va bien ou j'espère que c'est rien de grave. Ah, salut Chat Noir, comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce qui se passe, Chat Noir? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Y a le Ladybug qui va pas bien. Ah mince, attends, comment ça, il va pas bien? Attends, il lui est arrivé quoi, genre? Elle est super malade, il faudrait... Enfin, tu vas voir, mais elle a mal au ventre. Ok, elle est où, là, actuellement, pour que j'aille la voir? Elle est dans la chambre, viens. Ok, ok, vas-y, je te suis. Bon, les amis, apparemment, Ladybug, elle est super malade, donc du coup, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Fais pas trop de bruit. Ouais, par contre, je t'ai appelé parce qu'en gros, moi, j'ai quelque chose, et je dois aller sauver... Attendez, je dois aller sauver... Ouais. Tu dois faire quoi? Je dois aller sauver des gens et je peux pas l'emmener à l'hôpital. Ah, tu veux que je l'emmène à l'hôpital alors? Oui, oui, oui. Ok, bon, bah, tu sais quoi? Je vais essayer de me charger de l'emmener à l'hôpital. Coucou, Ladybug, salut. Aïe, j'ai mal. Ah mince, attends, mais Ladybug, explique-moi un petit peu où est-ce que t'as mal. Genre, t'as mal à la tête? Au ventre. T'as mal que au ventre ou t'as aussi un peu mal à la tête? Non, que au ventre. Que au ventre, ça va. La tête, ça va. Bon, tu penses que si jamais tu devais évaluer la douleur sur 10, tu mettrais combien? 500. Ouah, mais ah ouais, t'as aussi mal à ce point-là. Attends, mais t'es toute recroquevillée sur toi-même, là. Tu es twinner. Ouais. Je pense que je peux y aller. Ok, ok, t'inquiète pas, vas-y, je vais m'occuper de... Je vais m'occuper de Ladybug. Si tu veux venir... On m'a mis à l'hôpital. Ok, ok, t'inquiète pas, je m'occuperai... Je l'emmène à l'hôpital. Ok, bon, je t'envoie l'adresse de l'hôpital et le numéro de chambre, comme ça tu pourras venir la voir après, d'accord? C'est pas du tout qu'est-ce qu'elle a. Ok, bon, Ladybug, est-ce que... Oh, ils vont faire un petit bisou. Ok les amis, c'est bon. Ils sont pas un petit bisou les amis. Ok, allez. Ladybug, du coup, est-ce que au moins tu peux marcher? Je pense que oui. Ok, bon bah du coup Ladybug, ce qu'on va faire c'est que tu vas... Ok, vas-y, bah essaye. Vas-y, bah Ladybug, ce que tu vas faire c'est que tu vas me suivre. Oui, ça va. Ok, bon les amis, je compte sur vous pour que vous me dites dans les commentaires pourquoi est-ce que Ladybug se... a tout simplement aussi mal au ventre. Moi j'en ai absolument aucune idée. Donc c'est pour ça qu'on va aujourd'hui faire une radio sûrement, où on va aller en tout cas chez le médecin, plutôt à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui lui arrive à Ladybug. Donc voilà, donc du coup j'espère que les médecins ils vont venir rapidement nous aider parce que c'est vrai que là... Tu penses qu'il faudrait faire une échographie, tu penses? Oui, je pense, pour savoir ce qu'il y a dans mon ventre. Ouais, parce que ça se trouve, il pourrait y avoir des... T'as peut-être avalé de travers un truc, ou t'as peut-être mangé, je sais pas, des chocolats qui étaient périmés, ou un truc comme ça, tu vois. Ça se trouve. Bon, vas-y, du coup, suis-moi, Ladybug. Ça se trouve, il y a Gargamel dans mon ventre. Oh non, quand même pas. Je pense pas, en tout cas. Bon, allez, c'est parti. Donc, du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on se retrouve directement dès qu'on est devant l'hôpital. On se retrouve tout de suite, les amis. Donc, Ladybug, vous avez vu qu'elle a un petit peu du mal à marcher, donc c'est parti. Nous, on se retrouve devant l'hôpital. À tout de suite. Ok, les amis, donc du coup, on vient d'arriver devant l'hôpital. Alors, par contre, les amis, oh, mais Ladybug, elle est un petit peu lente. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, les amis. Elle a vraiment super mal au ventre. Ok, bon, Ladybug, ça va un peu mieux ou toujours pas? T'as encore mal? Toujours pas, je crois que j'ai l'appendicite. T'as l'appendicite? Ah, mais c'est vrai que c'est possible, les amis, que Ladybug, elle ait l'appendicite. Parce que l'appendicite, c'est vrai que c'est super douloureux. Et on a mal au bas du ventre. T'as mal au bas du ventre ou plutôt vers le milieu ou vers le... Partout. J'ai mal partout. T'as mal partout, ok. Bon, les amis, donc du coup, bah, Ladybug, reste ici. Je vais expliquer ta situation au médecin. Alors, ok, bon, le médecin, les amis, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il doit être en train de chercher ses médicaments, à mon avis, il va venir. Bon, oh, il est pas là, attendez, je vais sonner. Donc, tac, hop, la sonnette, elle est... Ah, elle est ici. Ting, ting, c'est bon. J'ai sonné, donc du coup, il doit pas tarder à arriver, le médecin. Ah, il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je suis venu aujourd'hui vous voir, monsieur, parce que, alors, oui. J'ai donc du coup une amie qui a des fortes douleurs au ventre. Apparemment, elle a mal partout dans le ventre, hein, donc c'est pas forcément que au bas, mais absolument partout au niveau du ventre, et on sait pas qu'est-ce qui lui arrive. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes décrit, est-ce qu'elle peut venir jusque-là ou pas? Ok, Ladybug, essaye de marcher jusqu'à ici pour qu'on voit de plus proche ton ventre. Ok, elle arrive, tac. Oh oui. Vous voulez que je me mette le pied, monsieur le médecin? Non, pas la peine. Okay. Qu'avez-vous comme douleur environ? En fait, j'ai mal au ventre et un peu à la tête. Vous avez mal au ventre, un peu à la tête? D'accord, oui. Vous avez eu des vomissements?
Ouais, tout à l'heure j'ai dégueulé sur chat noir. Ah merde, les amis, apparemment, les amis, il y a Ladybug qui a vomi sur chat noir. C'est mon copain chat noir. Ah d'accord. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense qu'on va passer en salle. On va passer dans une salle et on va vous écouter. Ok, ça marche. Enregistrez pas, mon nom. Bon, du coup, les amis, apparemment, il y a tout simplement le médecin qui il y a le médecin qui va les prendre, qui va les prendre une salle. Ok. Alors, elle s'appelle. C'est vrai qu'il faut. Attendez, vous avez déjà eu un dossier dans cet hôpital? Non. D'accord. Alors, votre prénom. Miracle, Ladybug. Ok, donc les amis, son prénom Ladybug. Mohamed Ali. Les amis. Ok, ok. Allez, continuez rapidement. Âge. J'ai 15 ans, comme les ou. Oui, je suis amis, apparemment Ladybug, elle a que 15 ans. Chanor, je sais pas quel âge il a. Alors moi, j'ai quel âge je fais quel poids? Eh, Twinner, je fais quel poids déjà? Ladybug, bah franchement, t'es pas très lourd. Dans la dernière fois que je t'ai soulevé, tu devais faire peut-être 60 kilos. Ouais, tu m'as soulevé, gros coquin. Non, mais genre pour voir. Oh, mais okay. Désolé, monsieur le médecin. Ouais, il devait faire sûrement 60 kilos à peu près. Ouais, pour, m'a 1m65. C'est vrai que Tounia, il a un grand concombre, moi. Ah oui, ok, d'accord. Très bien. Alors, okay. Comment, monsieur Harry Potter, vous avez une baguette magique, une grande baguette ou pas? D'accord. Oui. Ok. Oh, oui. Bon, monsieur, maintenant, on passe à quoi, du coup? Qu'est-ce qu'on a comme truc à faire? Aussi, mon poids. C'est tout, alors suivez-moi. Alors, ok, bon, apparemment, les amis, Ladybug va aller dans une sorte de salle d'attente pour faire. Vous avez... On va faire quoi? Une échographie? Une radiographie? Une. Eh, mais Tounia, t'as trop, tu dois pas venir, toi. Alors, attendez. Faut que... Pouvez-vous l'accompagner, monsieur Tounir? Ok, je vais l'accompagner. Je l'accompagne sur un lit, vous la mettez sur la... Voilà, c'est okay, ça. Ok, vas-y, viens. Ladybug, vous allez me soulever à deux. Suis-moi. Donc, du coup, Ladybug, fais pas trop de bruit, s'il te plaît. Trop bien. Donc, du coup, tac, ok. Donc, ce que je te propose, Ladybug, c'est que tu te poses juste là, comme ça, je pense que tu pourras être vraiment tranquille. Et, au moins, tu vas réussir à... Enfin, le médecin, il pourra bien t'ausculter pour voir qu'est-ce que t'as au ventre, parce que, franchement, c'est peut-être pas rien avec toi. Faut que j'enlève ma combinaison. Non, je pense que... on va demander au médecin si on a besoin d'enlever la combinaison. Monsieur, est-ce qu'on va avoir besoin de... Moi, je pense pas qu'il va falloir l'enlever. Donc, du coup, est-ce qu'on doit l'enlever, la combinaison, monsieur le médecin? Non. Ok, bon, bah, c'est parfait. Bon, bah, non. Y a pas besoin de l'enlever. Non, c'est parfait. Bon, du coup, vous allez commencer l'auscultation? Faites voir. Ça serait mieux, je pense. Non, moi, je pense pas. Ouais, donc, du coup, vas-y. Ladybug, tourne-toi vers le médecin pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dans son ventre. Okay. Ah, vous voulez me soulever? C'est parti. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Là, quand j'appuie, ça fait mal. Ah, oui. Oula, monsieur le médecin, par contre, allez-y mollo, hein, les amis, on sait pas qu'est-ce qu'elle a encore. Je suis médecin, hein, vous en faites. Je soulève juste. Alors, tac. Ok, je crois que ça a dû lui faire mal quand vous touchez ici. Ouvrez la langue, ouvrez la bouche. Mais monsieur, touchez-moi pas les seins, je vous ai dit le ventre. What? Oula, ok, bon, c'est je super pense qu'on va mettre un terme à cette visite médicale et que vous allez rentrer chez vous. Non, monsieur, vous inquiétez pas. Montrez, ouvrez la bouche. Touchez les seins. Voilà. Ah, okay, bon. Elle a rien. Ouais. Ok. Bon. Les oreilles. Non, mais à mon avis, monsieur, regardez pas les oreilles. Venez. Je pense qu'on va passer une petite radio. Ok. Oh yes. Bon, les amis, c'est vous êtes. C'est où, Twinner? Alors, suivez le médecin. Bon, les amis, donc du coup, je vais sortir un petit peu dehors. Ladybug et le médecin, je vais vous laisser gérer dans la salle de radio. Je vais vous rejoindre tout à l'heure. Et monsieur le médecin, vous m'expliquerez qu'est-ce que Ladybug a, d'accord? Allez, à toutes. Bon, du coup, les amis, comme vous avez pu l'entendre, apparemment, Ladybug a une forte douleur et le médecin, je pense qu'il va lui faire une radio pour voir, du coup, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans son ventre. Moi, j'en ai absolument aucune idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez une petite idée. Vous mettez, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir. Peut-être qu'elle a réellement, du coup, une l'appendicite ou quelque chose d'autre comme ça, je sais pas. Donc, du coup, voilà. En tout cas, les amis, nous, on va... Ok, bon les amis, ça fait déjà plus d'une heure que je suis en train d'attendre en salle d'attente. Alors, le médecin, normalement, il devrait pas trop... Ah, nickel, il est là, les amis. Bon, monsieur, c'est pour moi, du coup? Ouais, je dois venir? Oui, tout à fait, suivez-moi. Du coup, monsieur, c'est quoi? C'est une mauvaise nouvelle ou c'est quoi? C'est ça va? Ah, attendez, je vous annonce ça. Mettez-vous là, attendez deux secondes. Ok, je vais attendre ici, les amis. Apparemment, je sais pas du tout quel genre de nouvelle ça pourrait être. Ok, on va voir si tout est prêt, les amis. Donc, du coup, c'est bon, les debugs? Bon les amis, donc du coup on va attendre la réponse du docteur, j'espère qu'il va pas trop tarder parce que là ça fait déjà peut-être, encore une fois j'attends depuis 10 minutes, donc là les amis, normalement le médecin il devrait pas trop... Ah, tac. Oui. Tout est bon, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Okay. C'est moi qui lui ai dit ou c'est vous?
Ah, dites-lui, dites-lui. Oula, attendez, qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer comme nouvelle là, les amis? What? Attendez, on va suivre ou. Faut faire assez la like que je l'ai. D'accord. Ok, bon, les amis, on va attendre d'attendre. On va attendre de recevoir la bonne nouvelle du médecin. Monsieur, bonjour. Alors. Tac. Ouais. Alors. Bon. Bon, vous êtes pas son mari, donc. Non, moi je suis juste un ami collègue un peu. Bah, suivez-moi. Ouais, je vais vous suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les debugs du coup? Suivez-moi. Ouais, je vous suis. D'après la radiographie. Donc vous avez fait une radio ou une échographie? Une échographie. Donc vous avez fait une échographie. Ouais. Alors je vous laisse vous-même deviner ce qu'il y a là-dessus. Non, Ladybug, arrête. C'est Gargamel. T'as un bébé dans ton ventre, Ladybug. Mais j'ai un bébé Gargamel, les gars. Les amis, regardez. Non, par contre, je sais pas si c'est. Non, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est un garçon ou une fille? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, les amis. Donc, comme vous pouvez le voir, ça ressemble. C'est pas encore. Enfin, le bébé, il est pas encore fini. Donc, comme vous pouvez le voir, on arrive quand même à reconnaître un petit peu les formes de son visage. On voit qu'il a déjà des cheveux, les amis. Donc, ça, franchement, c'est quand même assez rare. Alors, il y a peut-être moyen que ce soit une fille, les amis. Et puis voilà. Donc, du coup, voilà. Ce n'est pas des cheveux. Hein. Ah, c'est pas des cheveux, mince. C'est quoi alors? C'est juste le crâne qui continue à se développer. Ah, d'accord, ok. Bon, vas-y, mais c'est le crâne qui continue à se développer. D'accord, ok, bon, bah ça marche, monsieur. Donc, je sais pas du tout dans les commentaires si vous pensez que ça pourrait être un garçon ou une fille. Donc, n'hésitez pas en tout cas à tous voter dans les commentaires si vous pensez que c'est un garçon ou une fille. Mais Ladybug, attends, reste ici, je vais appeler Chat Noir. Bon, je vous laisse parler. Hein, ok, ça marche, merci. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Ladybug, mais what? Appelle Chat Noir. Oui, je vais appeler Chat Noir. Ok. Bon, donc du coup, ce que je veux dire, c'est que dès maintenant, je vais envoyer un message à Chat Noir et je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, il va sûrement pas tarder à arriver dans l'espace de quelques instants. On se retrouve, les amis, dès que Chat Noir est arrivé. On va voir du coup qu'est-ce qu'il va. On va rien lui dire et on va voir du coup s'il va voir qu'est-ce qui se passe, simplement. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, il y a Chat Noir qui m'a envoyé un message il y a une minute pour me dire qu'il allait arriver. On l'attend là, les amis, on l'attend. Donc... En hélicoptère, il arrive. Il arrive en hélicoptère. Ah ouais, les amis, Chat Noir, je crois qu'il rigole pas. Oula. What, c'est quoi ça? L'hélicoptère, il a atterri ou quoi? FBI, open up! Oula, ok les gars, je crois... C'est quoi ça? What, Chat Noir, il... Salut, Chat Noir! Coucou! Ok. Comment ça va, bon, Chat Noir. Alors, si je t'appelais Chat Noir aujourd'hui... Oula, les amis, il y a Chat Noir et les Ladybug qui se font un petit bisou. Ok. Alors, bon, Ladybug et Chat Noir aujourd'hui, si... Enfin, Chat Noir... Chanor, plutôt, aujourd'hui, si je t'ai appelé, c'est parce que j'ai une plutôt bonne... Enfin, j'espère pour toi que c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu veux... pas faire comme Niska, hein. Tu sais quoi, je vais pas te l'annoncer parce que tu vas le deviner de partout, même qu'est-ce qui pourrait se passer ici. Ladybug? Oh oui! Tu es enceinte? Oh. Oh oui! Mais c'est trop bien! Ok. Les amis, je crois que Chat Noir vient de découvrir que Ladybug est enceinte. Alors, Chat Noir? Oh, les amis, les amis, regardez, je crois que les amis, Chat Noir, il est super content. Regardez, ils sont en train de se faire des petits bisous et tout. Voilà, c'est super content. Oh, ok. Oui. Par contre, le problème, Chat Noir, c'est qu'on sait pas du tout si c'est un garçon ou si c'est une fille. Alors, toi, Chat Noir, tu préférerais quoi, toi, par exemple? On va l'appeler Gabriel. Oh, non, mais, donc c'est-à-dire que tu préférerais que ce soit un garçon, toi? Bah non, Gabriel avec deux L ou avec un L. Ah ok, bon, ah d'accord, donc soit que ce soit une fille ou un garçon, tu aimerais l'appeler Gabriel en fait. Ouais, d'accord. Ou Michel, ouais bon, Michel ça fait... Ouais bon, ouais, ça fait un peu mixte, mais bon, d'accord. Et Ladybug, du coup, toi, tu préférais que ce soit un garçon ou une fille? Ah, moi, ben, si c'est un garçon, il s'appellera Yanis. Ouais. Et si il s'appelle... Enfin, si c'est une fille, elle s'appellera Yasmine. Yasmine, donc du coup, c'est soit Yanis, soit Yasmine. Et alors, pour Chat Noir, il préfère plutôt Michel ou Gabriel, d'accord, ok. Bon, et bah, du coup, bah, merci beaucoup à vous deux. Donc, mais vous m'avez pas dit si vous préférez avoir un garçon ou une fille? Ah, ça, on dit pas, hein. Ah, ok. Les bon, bah, on verra bien. Mais, ok. Bon, oula, d'accord, ok. Bon, j'espère que vous avez quand même pas. J'espère que tu as quand même pas avorté, hein. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, oh. Ladybug. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que dans une prochaine vidéo, et bah tout simplement, on aura qu'à tout simplement aller voir du coup si peut-être que tu peux accoucher, et comme ça on verra du coup si t'as réussi à avoir. Oh là, non, les amis, il y a Ladybug qui perd les os, les amis, je crois que Ladybug elle va bientôt accoucher. Ok, bon, les amis, on va s'arrêter là, les amis, comme vous avez pu le voir, quand on perd les os, les amis, ça veut dire que tout simplement on va accoucher dans pas très longtemps. Donc du coup voilà, les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Mais juste avant qu'on se quitte pour la vidéo, les amis, j'ai plutôt un petit jeu pour vous, les amis. Je compte sur vous pour que tout le monde
me propose dans les commentaires tout simplement un prénom qu'on pourrait donner aux enfants, enfin plutôt aux bébés de Ladybug et Chat Noir. Voilà, donc je compte sur vous tous pour me dire. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si jamais vous préférez que ce soit une fille ou un petit garçon. Donc du coup, voilà. Sur ce, les amis, on se retrouve dès demain. Peut-être que les amis, demain, ce sera l'accouchement de Ladybug. En tout cas, si jamais vous voulez voir la vidéo où Ladybug accouche, mettez-moi un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous allez ne pas rater la vidéo dès qu'elle sort. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.